Le bambine di strada di Kinshasa sono più di 12.000. Sono figlie della guerra e della miseria, hanno perso tutto e non sanno dove andare. Oggi Forest Mile è impegnata in Congo, dove sta costruendo un centro di accoglienza per bambine di strada. Basta una mano. Je m'appelle, c'est Suzanne Iloko. Je suis responsable du centre des enfants Talitaku. C'est un centre dans lequel nous voulons accueillir des enfants de la rue qui sont nombreux dans la ville de Kinshasa. Des enfants filles âgées de 6 à 16 ans. Nous avons commencé par la construction de la maison des sœurs qui vont être au service de ces enfants. Et après, d'autres bâtiments vont suivre pour pouvoir loger les enfants dans l'avenir. Nous espérons que ce centre va aider beaucoup d'enfants de notre milieu à s'intégrer dans la société. Nous allons mettre tous les moyens possibles à leur disposition pour leur donner un avenir meilleur. Je tiens à remercier tous les amis de Forest Mile et toutes les personnes de bonne volonté qui sont en train de contribuer, de faire des récoltes de fonds pour que ce centre puisse être réalisé. Bonjour tous les amis de Forest Mile. Je m'appelle Madame Georgette Moussadi Kabundi. Nous sommes un couple. Moi, je suis architecte. Nous travaillons ici pour le compte de Forest Mile pour réaliser les centres pour les enfants de la rue. Comme les problèmes des enfants de la rue ici au Congo Kinshasa est très sérieux, c'est vraiment très grave. Alors comme le centre est là, on espère qu'on va pouvoir encadrer et réintégrer le centre. Vraiment, c'est une bénédiction de Dieu. Ça se concrétise puisque nous sommes déjà sur le chantier et les travaux continuent. Merci beaucoup Forest Mile et tous les amis, tous les donateurs. Je m'appelle Augustin Kabundi Kayembe, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Les amis de Forest Mile, et nous sommes très joyeux de voir qu'ils ont pris cette très bonne initiative pour qu'on puisse construire ce centre ici qui va pouvoir abriter les enfants des rues, ces enfants ici qui n'ont pas d'espérance. Nous avons commencé le premier bâtiment avec tous les travailleurs que nous avons. La fondation avec une chape pour permettre maintenant la facilité de monter la maçonnerie. Grand merci pour nos amis. C'est qui finance le projet Talita Kum. Merci.